Groupe pour cap dominer actualité à premier ministre Gary Conille accompagné de Anomil Rameau, Louis Gérald Gilles, membre CPT1, a finalement visité divers espaces dans la capitale là, mais de manière précise visiter l'hôpital général dans cadre de ça, yo aller pour voir réellement donc comment espace là est, quelle activité au capable reprendre. N'a pas rappelé que bandit est occupé espace ça depuis quelques jours et même quelques mois. Donc il y a une situation qui était portée en pile qui a sauté par bon côté à membre population et ça qui t'a à permettre que mesdames, mademoiselles et messieurs, premier ministre t'a demandé et passer l'ordre formel pour faire tout ça yo capable tout ça que yo peut pour un problème nan résoudre. L'autre information qui a dominé actualité a en République Dominicaine, yon agent en police entré en bas yon machine et il mouri et tête noire pendant t'a pas couru derrière yon haïtien pour arrêter. Mais bien bonheur dans matin mardi 9 juillet 2024 là dans ville Higüey en République Dominicaine, yon agent en police a perdu la ville pendant t'a pas tenté arrêter yon haïtien et toujours sous affaire à déportation. Bonjour, bonsoir pour nous tous, est-ce qu'il est en forme, est-ce qu'il a kembe nous pote détails, nous pour information pour vous, nous parti. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24h sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. Mais détaillé ensemble avec conseiller présidentiel Louis Gérald Gilles, avec directeur général la police Rameau Normil, premier ministre à Dr Gary Conille, visité à jeudi mardi 9 juillet à l'hôpital général après que la police ait fait un contrôle espace là. N'a pas rappelé Jean Bandi était décidé depuis quelques jours à battre pour prendre contrôle espace ça et même quelques mois. Une situation qui était extrêmement difficile donc pour la personnalité qui malheureusement mesdames mademoiselles et messieurs donc t'es pas jamais capable de prendre soin l'hôpital ça qui était plusieurs monde réfugié la donne malheureusement d'après la en pile difficulté il y a pas de possibilité il y a pas de chance donc pour te reprendre soin bandit te prend contrôle lit l'hôpital ça selon toute dernière information directeur l'hôpital là t'es metté dehors. Donc, t'es une quantité extrêmement rare. Donc, qui était dans l'hôpital, ça, en quantité de monde malade. Malheureusement, bandit a kidnappé certains qui étaient au meilleur. Pour te demander famille pour payer pour yo. Mais dans pile tout, yo t'es tué. Donc, monde qui était commencé kaké bekoyo, là, on t'a entré dans l'espace là. Mais finalement, bandit t'es forcé au kembe zam. Donc, selon l'information officieuse qui n'y a rien. Mais responsable de l'hôpital, là, donc, lui-même, sous moi, parle, tu fais qu'on est. Donc, yo même dans l'hôpital là, yo t'es fait tout ça qui est capable. Pour te retirer la quantité de malades qui sont capables. La police nationale d'Haïti a été pris contrôle espace ça à partir du week-end qui sont passé là. Donc, grâce à Dieu qui est là, monsieur yo a visité. Et bonne nouvelle pour moun qui kon utilise l'hôpital général, qui c'est plus gros l'hôpital pays, donc qui ont paquet de temps donc, d'existence. Eh bien, donc, kounyan, nous prenons le chèque pour nous al visiter ou bien al prendre soin. Donc, la donne, nous cherchons fouiller zone à Kalalou pour nous connaître qui est. Donc, pratiquement, nous prenons commencer à retourner avec activité. L'autre information capable de dominer l'actualité, nous font pirouette en République Dominicaine. En République Dominicaine, bagala li complètement grand l'autre fond li grand l'autre non il y a plusieurs personnalités qui retrouvé dans une situation extrêmement difficile puisque agent police dominicain a pas cherché au coucher fou. Eh bien jeudi à mardi 9 juillet bien bonheur donc dans ville Higüey en République Dominicaine un agent en police a perdu la ville pendant t'a pas tenté arrêter un haïtien toujours sous affaire déportation n'a couru sur une moto pour arrêter haïtien pour le déporter agent entré en bas yon machine li mouri à tête noire faut que nous di ou en pile haïtien montré yo content de ça passé parce que ancien haïtien yo tellement a passé yon véritable misère en bas mais à policier en République Dominicaine c'est un bagage extrêmement difficile moi gon image là m'ka partager à même dans Telegram donc m'pa ko ka gade vidéo ça là entré dans groupe Telegram non après son bagage terrible on ne peut plus. Allez, la police, gouvernement qui est accompagné
C'est que nous avons reconstruit. Nous ne pouvons pas perdre la bataille. Nous avons reconstruit l'hôpital. Nous avons reprendre le quartier. Nous avons reprendre le quartier. Et je dis à les policiers qui avaient nous là, ils ont décidé de faire la bataille avec nous. Ils ont décidé de mettre vie. Ils ont décidé de mettre courage. Finalement, pour que les Haïtiens soient capables de jouer si souffre que le mérite. Je vais demander aux Haïtiens de patience, je vais demander de continuer courage. Je vous dis encore, nous travaillons avec le conseil présidentiel, nous travaillons avec le ministre. Nous allons commencer à faire nettoyage. Nous allons commencer à faire nettoyage autour de l'hôpital. Les Haïtiens n'ont pas perdu la bataille. C'est moi qui dis ça. Les Haïtiens n'ont pas perdu la bataille. Nous sommes contents de venir là aujourd'hui. Pour une fois, peut-être, chef de la police, DG de la police, là, merci beaucoup. Messieurs la police, vous faites opération pour nous, vous continuez à faire opération. Je salue, pour vous. Vous ne connaissez pas facile. Vous pouvez dire oui, c'est une responsabilité. Nous prenons tous les jours pour les Haïtiens. Je reprends engagement pour les policiers. Pour connaître que je vais tout ça le besoin pour mener la bataille. Je vais prendre l'espace. Nous pour positionner nous pour commencer à reconstruire le pays. Nous voulons nous compter sur l'État. C'est ça que nous voulons ajouter. Prime Minister, I have a question for you. What is the main objective of this visit today? Depuis quelques jours, la police English, a voué. Depuis quelques jours, Associated Press, yes. We're here because we have to take back our hospital. Thousands of Haitians, when I was here, 1,500 people used to come to this hospital every single day. And today, it's impossible for them to have access to care. A hospital is not a war zone. Even under the worst circumstances, hospitals are protected. We're here today because our courageous men and women of the police force helped us establish the first step of taking back our key infrastructure. Monsieur Mbappé, je n'ai pas fait l'interview aujourd'hui. Je suis content pour vous. Merci beaucoup pour votre travail. On va continuer la tâche. Merci. D'abord, je vais commencer par remercier monsieur la police. DG la police d'Agdem, mais surtout monsieur la police. De prière, il a fait possible pour le Wessin Daoué gagner le service de santé. L'un des là. L'hôpital général te connaît jusqu'à 1500 personnes par jour. Les personnes qui te connaissent l'hôpital, là, ce n'est pas les gens qui vont pas quelque chose. Ce n'est pas les gens qui sont plus vulnérables, c'est pas les gens à soins dans l'hôpital. Là. Et je me dis, parce que je fais résidence moi là, c'est que toute qualité de docteur là. L'hôpital là, c'est côté les gens vulnérables viennent chercher la santé. Son bien public lié. C'est pour nous tous liés. Il y a un chien important pour nous regagner l'hôpital. Après tout, nous avons après plus de 12 ans qui ont dit non, il est dû que nous ne gagnions l'hôpital. Il faut nous gagner l'hôpital. Il faut nous reprendre l'espace pour l'hôpital. L'hôpital dans tous les pays du monde, ce n'est pas une zone de guerre liée. Ce n'est pas une zone de conflit liée. Ce n'est pas une zone de confrontation liée. C'est une zone côté monde qui est malade vient nous joindre une petite santé. Monde qui est déjà dans une situation vulnérable vient nous joindre une petite meilleure. Il n'y a pas de droit ou espace de guerre. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter que le monde ne va pas venir jouer le soin. L'homme arrivé en Haïti, première semaine de juin, premier côté malé, c'est là, il y a un camp, côté que les gens déplacés. Et nous jouons à peu près 5 000 personnes. Nous jouons plusieurs gens qui ne sont pas trop loin, qui ont dit qu'il y a un pied cassé, il n'y a pas l'hôpital. Je m'a regardé pour moi, il faut que tu fasses là pour moi, comment le craser. Comment détruire même le minimum que tu as fait. Seul promesse que m'a fait je dis. Non, je vais chercher le couteau à moi.
nous comprenons que Jodia, c'est un jour spécial pour le monde dans la capitale. C'est un jour spécial parce que son premier pas que moi-même, disons d'abord, PM, Dr. Gary Mouni, et moi-même, comme au conseiller président qui est responsable chantier santé, c'est un premier pas que nous fait. Malheureusement, ministre santé doit là, il y a une contrariété. Son signal fort que nous voyons par la population pour nous dire question insécurité physique là, n'a bataille contre ça. Mais insécurité sanitaire là tout, n'a bataille contre ça. Vini là, l'hôpital général, c'est vini, moi-même avec Dr. Kony, c'est comme si c'est là qu'il nous vini. Parce que c'est là nous te premier pour formation nous, comme médecins. Nous te ouais qui gens l'hôpital général te comme desservi population plus capital là, mais et même tout le monde dans plusieurs départements paysans nous te comme l'hôpital général. Mais malheureusement nous ouais à qui ça que arrivé, et moi sûr et certain en vent 7 février 2026 arrivé, nous-mêmes l'ANCPA et nous sûr et certain Docteur Gary Kony, en tant que PM, pour aider la population à retrouver l'hôpital général là, qui construit, qui commence à construire, nous en pile temps le prend pour l'achever, mais nous sommes certains, nous avons fini par rendre service à la population. C'est moi, ça m'a dit, invité Docteur Kony. Mon caméra pile va son téléphone non. Oui, après. Ça, l'espace, l'espace, on a quitté là, ça, l'espace. Mais à quel niveau? Accompagné par le Premier ministre Gary Kony, qui a quitté l'espace là. C'est tout l'espace hôpital là. Et bandits sans poigne noir ont attaqué l'hôpital général qui détruit un pile d'espace. Donc, oui.